Ok, on va se la démarrer. Alors, quelque chose que je vous ai pas montré aussi. Ah oui, là c'est l'appel de phare. Voilà. Et juste derrière c'est le starter. Donc là on va le mettre à fond. Donc ça tire des câbles qui vont jusqu'au carburateur pour ouvrir des petits bouts, des petits trucs à l'intérieur pour qu'il y ait l'essence qui passe à fond. On va faire deux petits coups comme ça histoire de faciliter. Et là on va allumer. Bah je m'attendais pas à tel démarrage. Alors qu'elle est complètement froide là. Là, c'est en train de vaporiser toute la condensation là, du coup elle fume et j'enfume ma tente, super. Voilà, c'est marrant, tous les matins elle fume un peu ouais. Avec toute l'eau qui s'est mise dessus pendant la nuit. Et donc là en tournant bah là on est à 13,6, j'allume tous les feux, à part le plafard, et voilà. Et si j'accélère... Bon, il y a le régulateur qui prend le relais quoi. Ah, le starter il l'a fait tourner à... il peut aller assez haut hein. Au début moi je l'ai fait tourner à 2000-1500. Mais quand la moto est chaude, elle peut tourner à 1000 tours minute sans problème. Après ça dépend des Africa Twin en fonction de leur entretien au niveau des carburateurs, si l'essence arrive facilement au moteur, si c'est bien huilé. Là elle est déjà vers les 1200 et elle tient le coup quoi. Mais je sais qu'au début, moi, quand je connaissais pas trop la technique du starter, bah calé, vu que le starter était pas mis quoi. Mais bon, quand elle est assez chaude, elle peut tenir à 1000 tours minute, no problème. Voilà. Un petit problème qui peut vous arriver sur l'Africa Twin, c'est quand elle manque d'huile. Mais quand elle manque d'huile et qu'on ne peut pas le savoir. En fait, il y a un voyant ici. Donc ça, c'est les voyants d'essence, ok. On va couper le moteur. Ça, c'est le neutre.
Ça, c'est le plein phare. Et ça, c'est l'huile. Oil. Ça, c'est les clignotants. Okay. Ça, c'est l'huile. Quand elle manque d'huile, elle affiche ici. Vous l'avez vu, voilà. Ça s'affiche. Et si je démarre, il disparaît parce que le capteur d'huile, il est un peu plus haut. Faut que l'huile arrive sur le capteur d'huile. Bref. Ce capteur d'huile saute des cannes. Peut-être qu'il va pas s'allumer alors que la moto manque d'huile. C'est-à-dire, moi il y a des fois où la moto elle démarre sur un cylindre. Il n'y a qu'un cylindre où il y a la combustion. Et ça c'est peut-être parce qu'elle manque d'huile. Moi une fois je voulais partir pour un voyage Paris-Lille. Je démarre la moto puis j'entends qu'elle fait un bruit de monocylindre. Donc voilà. Fous un peu les boules au début, mais à force de réfléchir un petit coup, bah tu te dis si je vérifie l'huile. Et là tu vois qu'elle manque d'huile. Donc parfois le voyant ne s'allume pas, mais il faut mettre de l'huile. Parce que c'est en dessous du niveau minimum et sans ces quelques centilitres d'huile, bah, elle ne pourra pas démarrer. Elle ne pourra pas démarrer sur deux cylindres facilement. Voilà, voilà. Bon, je vous montre vite fait là. Il s'est mis à flotter à donf. Donc je vais me tirer. Et je vais me tirer. La pluie est passée, je me suis arrêté, j'ai réglé mes petits soucis liés à la pluie. Fallait que je range, que je rebranche mon téléphone, tout ça, que je change de batterie. Donc du coup, bah, je pense que j'ai fini la vidéo sur la Africa Twin, elle était assez longue, mais moi c'est vraiment une moto qui me passionne. Donc j'avais envie de dire beaucoup de choses. J'y reviendrai avec plus de spécificités sur certains points. Et alors on en reparlera. Encore plus en profondeur. Donc là, je suis toujours dans mon road trip Petit Tour de France. J'ai terminé. J'ai vu 90% des personnes que je voulais voir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je ne pourrais pas aller en Suisse, du coup je ne pourrais même pas aller en Allemagne ni en Autriche, là j'ai pas le temps. Ça me fait un peu chier, mais il faut reprendre le travail pour économiser pour la Russie. Et l'airbag, faut pas oublier d'attacher l'airbag. Parce que parfois, je descends de la bécane et j'ai oublié. Je peux vous dire que ça me gave un peu de dépenser 400 balles pour rien. Bon, je vais laisser ça comme ça, c'est au cas où il y a le plus, je le remettrai. Donc ça risque pas de partir, il y a les câbles et la corde qui passent dedans. Allez. J'en aurais bien chié.